là ça repart. Et attention à Chronic, voilà, super dans le milieu de terrain. C'est nous qui gagnons la bataille. Zenith a passé encore un joueur, est-ce qu'il peut aller chercher? Long! Il est exceptionnel! Zenito! L'angle interdit, regardez ce qu'il a fait! Il négocie cette balle, il passe un premier joueur. Et là, oui, elle était cadrée cette balle. Bien sûr que Radozin va pousser ce ballon. Surtout quand c'est la quatrième fois que tu tentes ça. Et du coup, il se commit pas, alors on devrait pas avoir peur, on devrait pas engager Spy du côté de TDS, puisque le stat check est massif. Et je sais pas trop pourquoi ils y sont allés. Naknako qui décide de rentrer dedans, qui va mettre un ulti. Et il ne mourra même pas. Quel héros! Quel héros! Radozin qui est passé à côté de la balle, ça va, c'est un fake, on dira que c'est un fake, c'est pour Zen, ça va lui profiter juste derrière. Zen, il va y aller, le flip reset de Céline Sean, pardon, malheureusement ça s'écrase sur la barre transversale, la deux balles tape d'Alpha, et ça va passer à 2 minutes 10 d'overtime sur cet excellent travail de Zen. Et Alpha derrière, regardez-le, l'intelligence, flip reset, double tap sur le dernier défenseur, et c'est une victoire les amis. To try and get some action on this bottom side. Ward set to cover. Hillisang can go in again. Knock up there. Karzy. Tower shot there. Karzy getting caught out. An immediate cleanse. But now the follow up is coming through. Instantly over the wall. It's VTO in lenses to try to finish the kill. Flacky getting taken down. Karzy picking up first blood. So far, nobody has dropped. It's a perfect tower dive. It should have been a disaster. Karzy took so much damage. But Vitality make it work. Yeah. Wow, tu vas te manger une lucarne droite, Mazzer, mais je te le dis tout de suite. No, the Larson has a ton of damage. Fiend, he's bringing some in. Same with Mark Unin. Baron, we talked about it. Video just dead for too long. Whoa. What? 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 At like 85 no HP. Way. Hang on. They don't get the reset. They don't get the Baron recall. So Vitality. On met énormément de dégâts avec le follow-up de cette Sejuani, mais l'ulti est parfait, on va récupérer tout le monde. Le très bon flash out de Nightingale, mais on va finir par tomber sous les coups de ce Volibear. Mais par contre, c'est Nadi qui fait la différence de l'autre côté, qui vient de récupérer un triple kill. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Nadi qui n'ose pas s'avancer, on sait que ça peut être compliqué. Attention Nadi qui va se faire go in par le Xin Zhao, triple kill. Dans réponse de Chroma, quadra kill, c'est peut-être le Penta qui va être sécurisé, le flash out. Okay. De Lexa, mais ça va donner un dragon pour... Qu'est-ce qu'il vient de faire? Le niveau de setup, c'est légendaire. Alors qu'on était devant notre cage, Alpha qui touche cette balle, le 50 qui est gagné, regardez le setup. Regardez le setup, c'est plein de lucardons, c'est trop grave ce qu'il vient de mettre. Le même dive que sur la game 1. Attention, si qui se ferait prendre la partie. On va essayer d'y aller avec la Leona. On va pouvoir prendre le kill du côté de Chromac. On va essayer de continuer sur Evaluna. Le bon flash out pour se mettre à l'abri. Mais on va revenir. La téléportation qui est arrivée de la part de Sachi. Sachi qui essaye de mettre énormément dégâts, mais qui se fait un petit peu récupérer. Les coups de tour qui pleuvent. Mais on arrive à survivre. Le très bon grab pour cancel cette poupée de Chromac. Mais on va peut-être devoir laisser sa vie du côté d'Evaluna. Et on va pouvoir contrôler cet Irelia, pardon. On va récupérer la tourelle vide également. Naknako. C'est rapide, Rumble, c'est rapide. Non, il est pas assez rapide, il y a une accélération, on va chercher les cas, c'est peut-être pas le bon focus, mais tout de même, les Solari qui se font re-engage, Naknako est très loin, HP Daglas aussi, mais Thierry vient faire un boulot monstrueux dans cette backline. Il n'y a pas un seul joueur qui est mort du côté de Vitality, et il ne restera que Kryze en vie dans 9 secondes. Est-ce qu'on peut finir cette game en 25 minutes pour Vita? C'est un scénario hollywoodien jusqu'au bout cette game. Il y a Naknako, on se dit qu'il va réussir à s'échapper des ronces et tout. Non, ils peuvent pas finir. Il se fait attraper Max Range, non, et là. Ils peuvent pas finir en 25. Nulle part, Daglas qui sauve le fight. Ils peuvent pas finir en 25 minutes. Il y a même pas eu de fight, il y a même pas eu de match. Si, Shriek, c'est terminé là, tu parles pour rien. Il faut plaquer cette balle au sol parce qu'il va y avoir une dernière tentative avec Chronic qui est parti dans les airs. Zen qui a réussi à s'interposer. Alpha qui a kebab. La balle va toucher le sol. Toujours pas, c'est fait, non. Radozin, allez petit, laisse-la tomber. Va chercher le bab. Yes. Yes. Voilà. Oh, il s'est levé, c'est un malade. C'est un malade ce type. Il est fou.